tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo reptile et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Tonton. Salut tout le monde. Très contente en tout cas de pouvoir vous retrouver avec Tonton. Ça faisait déjà un petit moment maintenant qu'il n'était pas venu sur la chaîne. Vous l'avez demandé, le voilà. On commence à faire de plus en plus de vidéos ensemble et je sais qu'il y a pas mal de personnes abonnées à ma chaîne qui sont aussi là. Donc je vous remercie de passer voir Tati Célie, c'est vraiment super sympa. Oui. J'écrirai à certaines personnes en commentaire. Tu peux laisser des commentaires. Et un pouce bleu aussi. Aujourd'hui, on va se retrouver donc dans une nouvelle vidéo. On va parler bouffe, mais pas pour nous. Là, on va faire une petite tambouille pour les Tilika. J'ai récupéré un petit peu de tout, y compris le mixeur. C'est de la viande de bœuf. C'est du cœur de bœuf. Bon, après, j'ai pris un peu de tout. J'ai pris des endives, j'ai pris. C'est pour tes Tilika. C'est à chaque fois, c'est les tambouilles que tu fais. Tu changes un petit peu la recette de temps en temps. Ouais, j'adore. Tu fais ça, je le précise. C'est depuis des années que tu fais ça. Ah bah depuis le début en fait. On a les plus beaux Tilika du monde, hein, limite. Hein. Jamais de problème d'obésité, super forme, ils ont grandi super bien. Ça fait des années, ça fait quoi, 5 ans maintenant qu'on les a les Tilika? Ouais. À peu près 5 ans. À peu près, ouais. Et on a toujours fait comme ça et tout s'est très bien passé. C'est vraiment pour éviter tout ce qui est pâté pour chat que beaucoup de personnes font malheureusement et qui n'est pas du tout adapté. Tout beaucoup trop riche, ça crée des problèmes d'obésité. Donc en fait là j'ai pris 2 sachets de salade parce que j'ai pas pu trouver là actuellement de tout ce qui est plantain, tout ce qui est les plantes sauvages. Ou alors c'est des petites pousses et du coup je varie un maximum. Et pour éviter voilà ce petit manque, je préfère varier un maximum au niveau végétation. Parce qu'il faut savoir qu'on récupère beaucoup en nature tout ce qui est comme tu disais pissenlit, plantain, les plantes comme ça. Nous on habite en ville, dans une ville, oui. Et dans la ville en fait il y a beaucoup de pollution, il y a dans les chemins les gens ils vont pisser sur les bords des chemins, c'est pour ça qu'il y a des champignons géants, je déconne. Non mais même avec les chiens et tout, voilà les gens. Voilà, en ville, le peu de verdure qu'il y a, beaucoup de gens promènent leurs chiens, donc il y a les excréments, la pisse, tous ces trucs là. Donc on évite en fait de récolter en ville, donc c'est vraiment quand on est en nature et qu'on sait qu'il n'y a pas des champs ou des pesticides aux alentours, qu'on va commencer à récolter un peu de pissenlit, de plantain, des choses comme ça. Mais c'est assez rare, c'est quand on fait nos balades randonnées, généralement, et qu'on va dans des endroits où on sait qu'il n'y aura pas de pesticides. Faites très attention à ça, si vous récupérez dans la nature. Je te laisse parler, c'est ta chaîne YouTube, désolé. Non mais voilà, donc en fait, on va prendre un peu de tout, on va mixer le tout. Et tu vas y aller. Je t'ai préparé une petite cuillère, un petit couteau, une assiette. On fait de la cuisine. Par contre, j'aurais peut-être dû préparer du sopalin. Allez, c'est parti. On précise que c'est un mixeur de compète, on l'utilise uniquement pour les animaux, celui-là. Tu veux commencer par quoi? À la limite, tu vois, tu peux mettre l'œuf, puisque l'œuf, voilà, c'est fait. Avec la coquille et tout, pour le calcium en fait. Donc on laisse la coquille. L'œuf, on le met comme ça direct, on le casse pas. Le kiwi, on s'est beaucoup foutu de ma gueule parce que je savais pas éplucher un kiwi. Et en fait, on le coupe en deux et on fait à la cuillère. Allez hop, c'est parti! Comme ça peut-être. Du coup, kiwi le plus dur du monde. Tu crois que si on les fait pousser les graines, ça marche? Quelqu'un a déjà essayé de faire pousser des graines de kiwi? Bah les graines de pommes, ça fonctionne. Après les kiwis, je ne sais pas. Putain, il faudrait trop essayer un jour. J'ai oublié le sopalin. Tu déconnes, t'étais parti pourquoi alors si tu l'as pas pris? Je sais pas. Ça casse pendant que je fais le kiwi. Moi j'ai ramené plusieurs sopalins. En fait, tu leur mixes fruits, légumes, viande, végétation, oui, je mets vraiment un peu de tout. Comme ça? Oui. Fallait prendre le rouleau, ouais. Je vois. Ensuite, maintenant qu'on a tout pourri, il faut endive. Oui. Et endive, en fait, tout. Ah oui, mais moi je mets tout. Je coupe en plus petits morceaux parce que bon, voilà, c'est pas un mixeur de compète. C'est pas un mixeur de compète, tu devrais couper. Ah. Voilà. À la barbare. Là, qui casse pas. Il manque la portion de viande. Là, pareil, je coupe des petits morceaux. Ah bon? Laisse faire le professionnel de la cuisine. Plutôt de père en fils, fils de boulanger. Non, j'ai connu. Non, en plus, mon père était chef cuistot. Ça se voit pas du tout quand on voit le fils. Tu veux lui laisser un petit message? S'il regarde cette vidéo, il va vraiment se foutre de ma gueule.
tu t'appuies, ça fonctionne. La directe ? Oui. Ça va faire du bruit, attention. C'est joli, hein ? Ouais, mais après quand tu mets la salade, c'est moins joli. Inquiète ! Tu m'as inventé la salade. On l'a défoncé. Petite frisée. Et tu fais petit à petit ou... Oui, là on va faire une première étape salade et après on mettra de l'autre salade après. Non, pas de suite, il faut mettre le truc plastique. Quel truc plastique? Ah oui. Oh la catastrophe. T'as vu là, au niveau de la couleur, ça commence à changer. Ouais. Je trouve que c'est génial de faire des vidéos ensemble. Je prends beaucoup de plaisir. Ah, tu mets tout? Là, tu m'as dit, je prends deux sacs, c'est pour tout mettre, non? Mais non, j'ai mis deux sacs, pourquoi? Pour varier au niveau de salade. Ah, c'était pas les mêmes salades? Mais non. C'est bizarre de manger de la verdure. Je vous l'avais pas dit, mais pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos précédentes où on avait déjà fait des mixtures, on les met dans des cubes de glace comme ça. Vas-y, explique. Ben en fait, ce que je vais faire, je vais mettre la tambouille donc dans mes petits bacs à glaçons. Je vais mettre directement au congélateur. Et comme ça, au moins, en fonction de la quantité que je voudrais leur donner, eh ben, je vais décongeler le nombre de petits cubes glaçons à décongeler et que je leur donnerai directement. Je ne vais pas donner directement le cube ou je ne vais pas décongeler le cube. Je vais le laisser à température ambiante, décongeler tranquille et leur donner à température ambiante. Alors le but c'est de faire plein de tambouilles différents avec plein de recettes différentes. On fait énormément de variétés, on essaie de varier le plus possible la nourriture. Un peu comme les petits pots pour bébé. Et en fait le but voilà, c'est qu'il y ait toujours de la nourriture même quand on n'a pas le temps d'en faire. Comme ça on a juste à prendre le temps de décongeler, de leur donner et puis voilà quoi. On sait combien il va manger. Et on sait qu'il va manger de tout, parce qu'au tout début je leur donnais vraiment de tout, mais par morceaux. Et du coup, bah, ils sélectionnaient ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils voulaient pas, et c'était tout. Donc ça me convenait pas. Et le fait de mettre des petits cubes comme ça, c'est tout en un seul petit cube, bah, c'est tip top. Après, il y a peut-être moyen de faire ce genre de recette pour d'autres animaux aussi, hein. Ou au moins, du moins, des concepts adaptés, des recettes adaptées à vos animaux. Mais toujours sous forme de cubes que vous pouvez laisser décongeler à température ambiante pour après leur donner. Peut-être que ça pourrait vous faire gagner du temps. Ce concept est génial et ça vient de Tati Selly. Elle avait trouvé ça nulle part ailleurs, celle qui l'a inventé il y a quelques années. Et je kiffe. Je vais goûter quand même. Tu vas goûter pour de vrai? Ben oui, non. Ben il y a du cœur de beurre et du beurre. Ben le cœur de bœuf c'est comestible, non? Oui, mais il est cru. Et la coquille, des œufs. Calcium, c'est toi qui l'as dit. Tu veux goûter? On goûte ensemble. On goûte ensemble. Non mais j'ai pas envie. Je suis incapable de dire si c'est dégueulasse ou dégueulasse. En fait, au départ, il n'y a pas vraiment de goût. L'œuf, je ne l'ai pas senti. Le kiwi, je ne l'ai pas senti. La salade, en fait, j'ai senti beaucoup de salade et surtout l'endive parce qu'il y a un gros goût amer. Ah oui. La viande, je me suis fait avoir, il n'y en a pas. En fait, quand ils vont manger ça, ils ne vont jamais sentir la viande. Ils auront les vertus de la viande peut-être, mais ils auront juste l'apport nutritionnel de la viande, mais ils ne vont pas le sentir. Les coquilles d'œufs, je ne les ai pas sentis. J'ai senti que de l'endive. Je te conseille de goûter. Non, ça va. Oh, tu rigoles! Allez, un peu là! Tu voulais me faire bouffer tes saloperies de bonbons d'Harry Potter? Et c'est qui a voulu les acheter? C'est moi, mais pour que tu les goûtes toi! Ah, nous y voilà! Nous y voilà! D'ailleurs, si vous voulez une vidéo là-dessus, on hésite beaucoup à la faire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse sur sa chaîne, bien évidemment, les. La dégustation des bonbons Harry Potter. Ces bonbons, il y a goût vomi, goût crotte de nez, goût je sais pas quoi là. Bah après, il y a des goûts melons, des goûts. Ouais, mais moi je tombe jamais sur des trucs comme ça, j'en suis sûr. On les a jamais goûtés, on a le sachet là-haut là qui nous regarde depuis des mois maintenant. Et on hésite en fait à faire la vidéo. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on s'empoisonne pour vous ou pas? N'hésitez pas à nous dire en commentaire.
Toi, tu m'escroques, toi. Ah, bah, tu y a rien sur ta cuillère. Merci, y a quelque chose. C'est foutu partout. Y a rien sur ta cuillère. Elle est vers la cuillère, y a quelque chose. Non. Elle est vers la cuillère, y a quelque chose. Arrête. Non. Mais non. Non. Dépêche-toi. Non. Je m'en fous, je te les mets sur la tête. Non, arrête. Je te les mets sur la tête. Non, mais arrête. Non, tu goûtes. Arrête tout. Allez. De l'escroquerie, j'ai pris une cuillère. Je t'ai pas dit de prendre une énorme cuillère pour goûter, t'as dit que je vais goûter. Alors? Tu croques quoi? T'es tombé sur un os? C'est de l'œuf? Pourquoi tu croques? Moi j'ai gobé. du coup, moi. On sent fort l'endive. On ouais, sent les œufs. Ah, t'as senti les œufs, moi, non? Ah oui, ça croustille sous la dent. Non, en fait, toi, t'es tombé sur un gros morceau, peut-être, qui avait pas été mixé, non? T'as rien mis sur ta cuillère et t'as croqué. Ben oui, j'ai croqué. T'as pas vu les coquilles d'œufs? Toi, tu gobes. T'es un gobeur. J'ai encore le sale goût, d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Faut aller voir. Ah, faut aller voir. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, on espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire. Nous on vous laisse, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous à bientôt. Bye bye. Bye bye.